Bonjour à tous, dans ce troisième épisode du vlog de l'équipe permanente, nous allons vous parler de l'événement Alumni et de la restitution des résolutions du programme Jade. Le projet Alumni prend forme petit à petit. Le but final de celui-ci étant de créer une association autonome du PEJ France composée des anciens membres. La motivation principale qui pousse ce projet est de créer un lien intergénérationnel. D'un côté, les alumni auront l'exclusivité de poursuivre l'aventure PEJiste en participant à des activités, en ayant des contacts privilégiés avec des associations. D'un autre côté, le PEJ France pourra bénéficier de l'expérience de ses alumni. Un événement nommé Génération PEJ, lancement du réseau alumni, est organisé pour le 11 juin 2016 dans le fabuleux cadre du ministère des Affaires étrangères. Atelier de think tank, remember, activités de team building, tout sera mis en œuvre pour replonger les alumni dans l'ambiance PEJ. Bonjour à tous, la journée du samedi 23 avril a marqué la fin de la première édition du programme Jade. À cette occasion, les membres des quatre commissions de travail, énergie, environnement, citoyenneté et santé, ont eu l'occasion de nous présenter l'ensemble des résolutions qui avaient été émises dans le cadre de ce programme de débat et de réflexion. Désormais, je vous invite à prendre connaissance de l'ensemble de ces résolutions que vous trouverez directement sur le livret des résolutions qui sera publié sur le site du Parlement européen des Jeunes France. Je vous invite à consulter très régulièrement la page du PEJ France dans la mesure où la prochaine campagne de sélection concernant la suite du programme Jade va être lancée. Si vous êtes intéressé pour la suite du programme Jade, n'hésitez pas à nous contacter afin de nous poser des questions et afin d'en savoir un peu plus sur le déroulé du projet. À très bientôt !